Eh bien, salut à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va faucher. Voilà. Donc, dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, parce que la dernière c'est le reportage que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs en Roumanie. Dans la présentation du SEM, je vous ai laissé entreapercevoir cette faucheuse à section que je vais vous présenter et la faneuse en dénneur qui est juste derrière moi, enfin devant moi là-bas, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc avec tout ça, ça va nous permettre d'être autonome au niveau du foin, parce que on a la parcelle pour. Et ça nous permettra du coup de ne plus acheter de foin pour les animaux, ce qui va être assez avantageux. Donc cette faucheuse, alors je l'ai mise devant le Renault, parce que alors déjà de base j'avais prévu de la mettre devant le Renault, car c'est un tracteur qui a beaucoup de couple. Il a un embrayage beaucoup plus doux que celui du SAM. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a plus de SAM. Le SAM, il est cassé. C'est même pas une blague en plus. Je m'en suis servi une journée au gyrobroyeur. Et il y a le disque d'embrayage de prise de force qui m'a lâché, a priori. Parce qu'en fait, le tracteur roule. Le tracteur, enfin, il démarre, il roule, voilà. Mais l'embrayage est dur. Enfin, la pédale d'embrayage est dure. Et il n'y a plus de prise de force, plus de roulage. Donc ça va être la prise de force qui fait tourner la pompe hydraulique, donc c'est pour ça que le relevage ne marche plus. Et je vais éviter de trop rouler avec, même pour tirer une remorque ou quoi, parce que je sens que dans la cloche, là, c'est pas bon ce qui m'attend. Donc pour l'instant, il va rester à l'abri. Et donc on va revenir sur le sujet de cette vidéo. Cette faucheuse à section, c'est une Someka. C'est l'ancien propriétaire en fait qui me l'a dit. J'ai cherché sur internet s'il y a des modèles qui ressemblent assez fort, parce qu'il n'y a rien qui n'indique dessus en fait que c'est une Someka. Et elle me paraissait un peu rouge, et a priori ça a l'air bel et bien d'être une Someka. Alors je ne connais pas la référence complète, hein, s'il y en a qui la connaissent, parce que j'ai vu des Someka K, je sais pas quoi, des Someka. Voilà, il y a différentes séries de faucheuses, parce qu'il y en a courroie aussi. Là c'est une bielle en bois. Ouais, pour vous expliquer le fonctionnement, parce que j'ai un petit peu galéré avec cette faucheuse là pour l'atteler. Faut bien comprendre le fonctionnement. En fait, déjà, faut enlever le troisième point du tracteur et faut bien la régler par rapport à son tracteur, parce que les troisième points ne sont pas tous au même endroit. Donc, du coup, là, c'est réglé pour le Renault. Donc, cette faucheuse restera tous les ans sur le Renault. Donc, on enlève le troisième point, voilà. Et au bout du troisième point, il y a une chaîne qui permet en fait de régler la hauteur de cette partie-là, de toute cette partie-là, qui est sur un pivot juste ici, là. En fait, ici, d'ailleurs, il y a un graisseur. J'ai fait tout le graissage de la machine. Et en fait, ici, le cadre pivote. Et ça permet en fait de régler l'hauteur à laquelle on veut garder notre lamier. Voilà. Ça, je vous le montrerai en position de travail. Car du coup, en position route, je le mets à ce maillon pour pas que la faucheuse frotte par terre. Et en position champ, je le mets vers le troisième ou quatrième. Voilà. J'enlève 2-3 maillons, quoi. Enfin, je rajoute plutôt pour ajouter justement de la longueur. Et c'est surtout, faut faire attention que ce soit assez bien aligné pour pas casser la bielle en bois. En revanche, là, elle est neuve. D'ailleurs, vous l'avez vu, la faucheuse est en très très bon état. Elle est en très très bon état. Et bon, je l'ai graissée par acquis de conscience, parce que le gars m'avait dit qu'il avait graissé. Il n'y a pas beaucoup de graisseurs, donc ça va. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Et donc, du coup, voilà pour ça. Donc ça fait le réglage de la hauteur de cette partie-là. On a les deux chaînes qui sont ici, pareil, reliées sous le troisième point. En fait, ça c'est quand la faucheuse est baissée à fond. Ben ça c'est tendu et ça permet en fait de la réincliner un peu comme ça et de conserver une hauteur de travail. Et la cardan, alors la cardan, là j'ai dû la refaire parce qu'elle était trop courte pour mon tracteur. Donc j'ai racheté un tube que j'ai coupé, que j'ai repercé. Donc là on a remis un boulon. Et donc voilà, là c'est prêt à faire feu. Le problème c'est que ma prise de force est tellement haute sur le Renault que je peux pas baisser la faucheuse à fond en fait pour faucher. Donc va falloir que je lève un peu la faucheuse et que je règle mon lamier, qu'il soit baissé lui par rapport à la faucheuse un petit peu. Et donc ça demande un peu plus de réglage, voilà. Alors il y a un truc que j'ai pas précisé, cette bielle là elle est en hêtre,
en hêtre ou en frêne, je sais plus, mais en tout cas, c'est les deux bois qu'il faut utiliser pour faire ces bielles-là, car c'est un bois assez flexible. Autrement, si on prendrait du chêne, du châtaignier ou n'importe quel autre bois, eh ben, la bielle casserait tous les 10 mètres. Voilà. Donc, faut quand même un bois assez flexible. On a une manette ici qui permet de régler l'inclinaison du lamier. Donc là, elle est réglée le plus bas possible. Donc voilà pour les réglages de cette machine. Enfin, la plupart des réglages, il y en a sûrement que j'en ai pas vu. Et enfin, il y en a quelques-uns que j'ai vu des tout petits, mais ça me semble pas nécessaire d'en parler, comme la hauteur des patins de la coupe, ça paraît assez logique. Et je n'y toucherai pas d'ailleurs. Ça me paraît bien. Il y en a, il doit bien y en avoir quelques autres. Il y a des boulons, des contre-écrous, etc. Des trucs à visser, à dévisser. Au niveau, surtout au niveau du lamier là-bas, là. Enfin bref, on va déplier la faucheuse, la mettre en mode travail et on va commencer à faucher avant qu'il fasse nuit. Donc voilà, la machine là, elle est en mode travail, vous avez vu, ça met 2 minutes. Donc j'ai reculé la manilla de 3 maillons et j'ai dévissé ce boulon là qui permettait de retenir le lamier. Voilà. Donc là, le lamier est par terre. Et ensuite, je vais voir s'il faut reculer d'un maillon ou avancer d'un maillon en levant ma faucheuse. Voilà. Donc je vais la lever jusqu'à ce que j'ai un angle convenable pour la prise de force parce que là, les croisillons, ils vont claquer. Et ensuite, ben, y a plus qu'à faucher. Voilà. Bon, ça coupe pas court, mais ça coupe. Bon, ben, je suis tombé en panne, c'est le bordel. J'ai vu la cardan qui est partie dans tous les sens. Avec beaucoup de chance même, il n'y a rien qui est cassé. Les cardans, enfin la partie mâle et femelle ne sont pas du tout tordues. Et en fait, c'est le boulon qui a cassé, ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Ce boulon là. Et donc le tube là, il est sorti et du coup, c'est sorti d'ici d'abord, c'est remonté, et puis après, c'est sorti de là en descendant. Et ça a fait du bordel quoi. Voilà. Donc je vais la remettre en mode route, rentrer à la maison et bah, vu l'heure qu'il est, le temps que que je remette, je pense que je vais mettre une goupille à une mécanindus. À mon avis, il fera presque nuit, donc c'est pas la peine que je revienne pour faire du mauvais boulot. Donc je reprends demain.
Bon, ben ça y est, la parcelle est terminée, donc ça s'est plutôt bien fait. Juste, heureusement que je viens juste de finir, parce qu'il y a la mécanindus là, qui a commencé à ressortir. Donc je vais la renfoncer là pour éviter de la perdre sur la route. Quand je la ramènerai à la maison cet hiver pour faire l'entretien, on fera l'affûtage des sections et on fera tout ce qui est graissage, etc. Voilà, enfin tout l'entretien classique quoi, au niveau du boîtier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Semaine prochaine, rendez-vous pour du coup le fanage et l'endénage. Et la semaine suivante, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!